aussi besoin de charbon. Et une des, ben, du carbone, mais une des formes les plus pures de carbone, c'est le charbon. Which is a very pure form of carbon. Je vais continuer à passer sur le carbon. Ça va nous faire une belle boule de comète noire comme la neige de Montréal. OK, ça nous prend aussi de l'ammoniac. Ça nous prend 2-3 couches de nettoyant en vitre parce qu'il y a de l'ammoniac maintenant. J'ai une Windex, une stop to clean the not too much blood, ça va exploser sans mettre trop de. Et ça nous prend aussi des acides aminés. Est-ce que vous avez déjà entendu parler des acides aminés? Les adultes, have you heard about amino acids? Yes? These are the bricks of life. Basically, the little molecules we use to create proteins. If you put an amino acid at the end of it, it makes a chain, which is a protein. Donc, les acides aminés, c'est l'espèce de briques de la vie qu'on utilise. On fait des chaînes d'acides aminés. Et ça nous donne des protéines. Les protéines, c'est ce qui est à la base de la vie. Mais un petit peu, on a des acides aminés qui est un peu sucré. La glucose, parce que justement, notre acide aminé et glycine est un peu sucré, donc on a un petit peu. Et pour le dernier ingrédient, ça me prend un gaz. For the last ingredient, I need a gas. But into space, gas is really, really cold. How cold is space? Est-ce que vous avez une idée de la température de l'espace? Moins 200. Comment? Moins 200. Vous êtes très proche. Moins 200. Un petit peu plus bas. Moins 250. Moins 250, très proche encore une fois. You know the temperature of space? Minus 200. Yeah! Minus 270. Moins 270, c'est la température de l'espace. Je pense que c'est bien brassé ici. Ici, on n'a pas moins 270. On a moins 70, c'est assez pour que le gaz carbonique soit sous forme solide. Et here we have carbon dioxide, CO2, at minus 70. Oh, don't do that. It's very cold. Et en ajoutant notre gaz carbonique, ça va faire fendre ensemble l'eau et les ingrédients. Tu peux continuer à brasser. Puis, je vais mettre le gaz carbonique. Tu me donneras la cuillère que je te demande. Est-ce que tu te sens comme un sorcier? Est-ce que tu te sens comme un sorcier? Tu peux poser la question sur le. Comme un sorcier. Ok, je vais continuer, ça commence à être difficile. Notre. Maintenant, l'espace, c'est une grande comète. Donc, elle a un peu de gravité. Mais ici, comme c'est une mini-comète, on va falloir l'aider avec sa gravité. On va pousser un peu sur la comète. As our comet here is not a big comet, as we have into space, we'll need to help it with its gravity. Usually it has gravity, but we have to help it and push on it. Il ne faut jamais licher avec la tête de l'autre sol. C'est quoi ton nom, Fabien? Foucault. Normalement, on nomme les comètes par le nom de celui qui a trouvé la comète, comme la comète Halley-Bopp. C'était M. Hale et M. Bopp qui avaient trouvé cette comète-là, qui avait été détectée pour la première fois. We usually name the comets by the names of the people or the guy who will find the comet in the sky first. So, this comet will be called la comète Foucault 2014. Vous pouvez toucher à Foucault 2014. You can touch to Foucault 2014 if you would like to. You just have to touch only the black spots, not the white. White is too cold, it can burn. Donc, si vous voulez toucher, je vais faire une démonstration. Vous pouvez toucher au noir, mais pas au blanc. C'est des morceaux de gaz carbonique non dissous. C'est trop froid, ça peut être dangereux. Tu vas aller montrer ta comète aux gens? Je vais faire toucher. On a applaudi notre assistant qui a fait une belle comète. C'est un peu salissant, mais c'est pas dangereux. Faut pas en manger, par exemple. Je sais que ça a l'air rapide, c'est pas comestible. Tu peux toucher? Non, ça donne en haut. Oui, toucher. Non, ben je parle pas de ça. Est-ce qu'il y en a qui ont des questions? You have questions?